Et coucou les loulous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de Minecraft. On était avec Marie dans les sous-sols et notre mission c'était vraiment de trouver des diamants. Donc là on va descendre, on va miner et puis on va voir ce qu'on trouve. J'espère que je ne vais pas tomber dans la lave parce que ça m'arrive au moins une fois sur deux sur Minecraft. Et si je perds tous mes équipements, je serais vraiment trop triste. Donc je croise les doigts. Heureusement Marie a une super trousse de soins, de secours. Et je sais qu'elle saura soigner mes blessures en cas de brûlure extrême. Allez, on regarde ça tout de suite. Hey, coucou Marie. Hey, salut Devo, comment vas-tu ce matin? Eh ben, ce matin? C'est le matin. C'est le matin, oui je crois que c'est le matin. Eh ben écoute, j'ai super bien dormi grâce à ces bons lits douillets et à ces petits moutons. Enfin, enfin, on a dormi dans des vrais lits. Dans des vrais lits, donc ça c'est vrai que c'est génial. Je pense qu'on a dormi longtemps quand même, que mon oui, dieu. Quelques temps, mais j'ai tellement bien dormi. Il fallait qu'on dorme quand même pas mal. Voilà. On est d'accord. Voilà. Bon, alors, nous n'oublions pas notre mission, c'est quand ça. Même. La mission principale, c'était de trouver des... Diamants, c'est des ça. Des diamants, tout à fait. C'est ça. C'était la mission. Okay. Donc, ce que je te propose, c'est de faire des outils. Moi, c'est vrai que j'ai deux pioches en pierre sur moi. Alors, c'est pas les meilleures pioches du monde. C'est que si on pouvait trouver des minerais un petit peu plus forts, ce serait bien. Mais déjà, c'est du fer, c'est mieux que le bois. Pour aller donc miner et puis j'ai également fait quelques escaliers puisque j'ai eu une ou deux insomnies pendant notre longue pendant notre longue nuit. Tu as eu des insomnies et tu m'as pas réveillée. En fait c'est moi qui ai hiberné en fait, c'est ça. D'accord. C'est ça. Depuis que tu t'es fait assommer par un creeper, t'as mis plus d'une semaine à te réveiller, donc j'ai fait quelques petites choses. Ah, je comprends. Donc tu es allé chercher du bois, qu'est-ce que tu as fait? Et pourquoi j'ai dormi aussi longtemps? Qu'est-ce qui s'est... J'étais très fatiguée, Marie. D'accord. Donc, on a du bois, on a aussi de la pierre, donc il faudrait que tu te fasses aussi quelques pioches, des torches, et qu'on aille explorer. Bah écoute, j'ai trois pioches sur moi déjà, et j'ai une certaine quantité de torches, donc je pense qu'on... Alors j'ai que 11 torches. Mal. Ah d'accord, j'en ai 38 personnellement, et s'il y a du bois, et nous avons je pense du charbon, j'en ai encore 6 personnellement. Alors moi j'ai un petit peu de charbon là, du coup je vais aller piquer le charbon qui est dans les fours, et je vais en refaire un petit peu parce que sinon j'ai peur de manquer de lumière, et alors voilà. Vaut mieux pas, non. Pas à manquer de lumière, honnêtement. Bah ça me tente pas trop, sachant que j'ai remarqué que les étranges bestioles n'aimaient pas le feu. Le feu, le pouvoir, le feu. Le feu, l'âme de l'enfer, exactement. Et bah écoute, je suis juste prête. On est parti? On est parti. Quand tu veux. Alors, écoute, il faut descendre. Sur moi. Oui, je dépose, parce que là c'est vrai que j'avais prévu beaucoup. Écoute, ce qu'il faut, c'est descendre assez profondément pour trouver du diamant. D'accord. Mon père était mineur, c'est ça donc. Oui, c'est ça. Mon père était mineur, bien sûr. Voilà. J'ai des trous de mémoire, je pense que c'est parce que j'ai dormi pendant une semaine. J'ai beaucoup de bois sur moi, mais voilà, c'est vrai que tout ce qui est minerai, je m'y connais un petit peu moins bien, j'ai besoin des savoirs. Donc je sais qu'il faut aller très profondément. Environ 28 blocs en dessous de celui-ci. Je pense que ce sera assez profond. D'accord. Voilà, en dessous de là où je suis là. Donc je propose de faire pas des chemins forcément séparés. Voilà, on va creuser à côté pour commencer. Voilà. Une fois qu'on sera assez profond dans la mine... Oui. Nous allons pouvoir partir dans des chemins différents et essayer de trouver du diamant. D'accord. Je ne sais plus combien les villageois nous ont demandé de diamants. Je crois que c'était 10. Ah, 10 ah ouais, ça oui, c'était nombreux, c'était beaucoup. Et puis, oh, regardez, là, c'est du fer. Regardez. C'est du fer. Regardez-vous tous là-bas. Non, mais... Tous là, tous autour de nous. Bon, on n'est que deux, mais... tous ceux qui sont présents ici. Ah, j'en vois aussi. Ah non mais ça c'est bien parce que pour le ça, diamant c'est bien. De ce que j'ai appris dans les livres que moi d'accord c'est malheureusement pas je vois de ce que j'ai appris dans les livres il faut quand même avoir des pioches en fer pour pouvoir récolter du diamant. Mais pourquoi on ça risquerait de casser. D'accord, je vois. Donc il faut obligatoirement, donc si on en trouve et qu'on n'a pas de pioche en fer, on le laisse là, c'est ça. D'accord. Donc il faudrait qu'on fasse des fours, il faudrait qu'on se fasse une salle quand on sera assez profond dans la matrice. Bien sûr, dans la matrice. Dans la matrice. Alors, on y est presque. D'accord. Si j'ai bien compté, oui. Plus que 6 blocs. Très bien. Ah, alors par contre, pourquoi il y a de la terre aussi profondément? Je sais pas. Ça m'échappe. C'est pas du gravier? C'est de la terre? Ah oui, c'est de la terre. Ça, c'est de la terre, ça. C'est encore du fer, ça c'est très bien. C'est de la terre. Ça. Ouais, ça c'est vrai qu'on va vraiment en avoir besoin du fer, donc c'est très bien d'en trouver. Il faut faire attention aussi parce que dans les grottes comme celle-ci, dans les mines, peut se trouver de la lave. Ah oui. Je sais pas si tu es au courant, mais. Alors évidemment, il ne faut pas sauter dans la lave, bien évidemment. Ah bon? Pourquoi, Marie? Parce que la lave, ça brûle! Ah! Au cas où tu ne savais pas, tu vas fondre! Tes muscles vont. Ok, donc c'est toi, Marie. Oh. Alors, plus que... 3, plus que... 2, 1... Hop, on y est.
On y est, là on peut commencer. D'accord. Ici, Donc nous là, il pouvons faut que... commencer Eh bien, à moi, je te faire. dis, tu vas à droite et je vais à gauche. Qu'est-ce que t'en penses? D'accord. En plus, il y a du fer ici, c'est En parti. train d'aller à gauche là. Ah non, t'as dit que t'allais à gauche. Ok, pardon, Oui, excuse-moi. oui, oui. J'ai Excuse-moi. pas menti. Ah! J'ai dit, Bah Marie, je parfait. vais à gauche. Eh bien, nous allons Eh chercher. bien, la Et première si qui trouve jamais. vraiment a gagné. Ah, Gagner c'est quoi? parti! Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on peut parier? Moi, je dis honnêtement. Eh bien, moi, ce que j'aimerais, si jamais on trouve beaucoup de diamants, etc., ce serait comment dire? Une hache en diamant. Mon père était bûcheron et ça me ferait vraiment très plaisir Ah, oh, d'accord. d'avoir une hache en diamant. Donc, je parie une hache en diamant. Si moi je trouve en premier, on me fera alors une pioche en diamant, parce que mon père était mineur, donc Voilà. forcément. Et bah très bien. Et bah Forcément. c'est parti. Le challenge est accepté. Le challenge est accepté. Alors je ne sais pas comment je peux t'entendre encore aussi clairement, parce que nous sommes quand même assez loin, mais Mais c'est grâce au peut-être parce que. talkie-walkie que j'ai fabriqué pendant que tu dormais, Marie. D'accord! Tu m'as installé un talkie-walkie dans l'oreille, je me Ouais. disais aussi. Ah oh là là, mais qu'elle est forte! Mais qu'elle est Non, forte! c'est vrai qu'on est un petit peu loin là. On est un petit peu là, bah heureusement qu'il y a ces talkie-walkie, parce que sinon ça aurait été plutôt compliqué Ah oui, là ça aurait de été se compliqué. parler. Donc alors, ah mince, c'est du gravier. Bon, je vais graviter. Je vais graviter par là. Et en espérant trouver quelque chose. Parce que là, je vois beaucoup de pierres en fait. Heureusement que nous ne sommes pas claustrophobes. J'ai envie de te Cla dire, cla c'est claustrophobes. normal. Marie, Bah écoute. je suis sous terre et je vois beaucoup de pierres. Que dois-je faire? Que dois-je faire? Eh bien, tu dois remonter à la surface. Si jamais ça t'impressionne, Bah, moi, je tu peux t'avouerais que remonter. les premières fois où j'y ai joué, j'étais pas très très rassurée quand même. Je me disais, Ouais. mais si jamais je me perds, comment est-ce que je fais pour remonter? Et ça m'est déjà arrivé Ça. plusieurs fois au final de me perdre et de finir par mourir de faim ou Ah! mourir attaquée par des bêtes parce que je n'avais pas réussi à retrouver la sortie. Et que je suis très très nulle pour faire des escaliers et remonter à la surface. Ah, c'est vrai. D'ailleurs, tu me parlais d'échelles tout à l'heure. Pourquoi est-ce que tu veux mettre des échelles quelque part? Alors, je ne pensais pas à des échelles, mais plutôt des petits escaliers, que si jamais on Ah. trouve une grotte, etc., et qu'on se, entre guillemets, on s'éloigne un peu trop, on pourra se retrouver grâce aux escaliers et avoir un réel chemin. C'est pour Je ça comprends. que j'en ai fait en bois. Bon, là, c'est pas la D'accord. peine, parce que c'est vrai que quand c'est des longs couloirs tout droit, il y a peu de chances de se perdre, mais si jamais l'une de nous tombe sur une grotte, ça peut être intéressant pour explorer la grotte, après de faire des petits escaliers, des petits passages pour savoir d'où est-ce qu'on vient, tout simplement. Parce que honnêtement, moi et mon sens de l'orientation, Ah bah moi, il est c'est. totalement pourri. D'accord, voilà. Eh bien, c'est bien parce que nous sommes deux. J'ai zéro sens de l'orientation. Tu n'aurais pas fabriqué par hasard des boussoles ou des GPS pendant que je dormais. Enfin, à part tout Non, hasard. non, non, mais je sais que nous pouvons, nous devons avoir assez de matériaux pour faire une boussole. Ah bon, Ce je ne serait pas sais mal. même pas comment ça pourrait fonctionner. Une boussole, une boussole. Bah, c'est la boussole qui te dit où est ta maison. Je sais, mais comment? Comment est-ce qu'on fait fonctionner une boussole? Comment est-ce qu'on Ah bah ça, on moi, lui je sais dit que le pas, hein, nord, parce c'est le que nord? déjà dans H1Z1, il faut que j'ai une enveloppe avec écrit de si nord, sud-est, ouest pour pas me perdre. Alors... Effectivement, on va pas aller très très loin avec ça. Oh non, je fais casser ma torche! Ta torche? Casser ma torche! Oui, je venais de la déposer, je l'ai recassée. Par contre, je suis bientôt à la fin là. Je ne trouve absolument rien, j'ai l'impression Je d'entendre ne les monstres trouve à travers les parois. pas. Je les entends également, c'est plutôt sympathique. Ça veut Donc ça peut-être veut dire dire qu'il qu'il y y a une grotte dans a. les parages. Ouais. Par contre, je n'ai plus de matériaux, voilà. C'est terminé. Ah. C'est terminé. Eh bien, il va falloir remonter. Moi, j'en ai encore un, donc je continue à creuser. J'ai trouvé des minéraux rouges, mais il me semble que c'est comme le diamant, comme Oui, bah dès que c'est c'est un petit peu différent. rare, Voilà. il faut pouvoir Donc, je l'ai laissé pour il faut avoir du l'instant. fer. Alors je vais remonter pour faire fondre le fer que j'ai déjà récupéré et pour nous C'est une faire bonne de idée. vraies pioches. Et ensuite nous pourrons repartir à l'aventure. C'est une très bonne idée. Est-ce que tu Ce pourras serait m'en faire une bien, aussi? bien sûr, bien sûr. Ce serait bien qu'on parte après dans la même direction, comme ça si on trouve une grotte ensemble on pourra l'explorer. Parce que c'est qu'on est Bah quand même écoute, je t'invite. relativement loin et les talkie-walkie vont bientôt plus marcher. Je suis surprise d'ailleurs qu'ils marchent en profondeur comme ça alors qu'on est très 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 Ah loin bah c'est de la bonne l'une de qualité, l'autre. Ah hein. bah oui, Ma grand-mère forcément. était horlogère donc. Ah d'accord, je comprends. Les horlogers font des talkie-walkie. Oui, tout à fait. Ah d'accord, tout à fait, d'accord. Ma Je ne savais grand-mère pas, en écoute. fait. D'accord, elle était horlogère spécialisée en talkie-walkie. Voilà. D'accord. Bah, heureusement, dis donc, Mais elle m'a pas quelle transmise. famille! Elle m'a pas transmise sa passion pour l'orientation. Effectivement. Effectivement. Alors, j'ai encore retrouvé des trucs rouges. Très Je. bien. Le minerai de fer est en train de cuire. Gentiment. Je vais C'est faire des très petits bien. bâtonnets en plus pour pouvoir faire nos Personnellement, j'en manches. ai 10. Donc, si jamais il en faut, je pourrais remonter. Pour l'instant, je suis en train d'user ma dernière pioche. Ah. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin.
Je Bon, je creuserai fais un peu jusqu'à de la fin. rangement. Voilà. Alors ça, la viande pétrifiée, je la range. La viande pas cuite, je la range. Une pelle, je la range. Range. Voilà. Pas comme s'il y avait beaucoup de terre à ce stade-là. Bah c'est ça, c'est pour ça que j'essaie de faire un peu de rangement. On n'a pas besoin d'autant de Compréhense. choses. Ouais, bien pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. T'avoue. Alors, Il du n'y a fer, vraiment très pas grand-chose. bien, je vais construire. Donc, une pioche, pour l'instant deux pioches, c'est déjà pas mal. Ah, voilà, ma pioche s'est complètement cassée. C'est le moment de Parfait. remonter. C'est le moment de remonter à la surface. De toute façon, je t'entendais quand même un petit peu moins là. Je pense qu'on a vidé les Tokiwoki. Ça va être le Je moment remonte. de les recharger sur le four. Sur le four! Oui. Mais quel dispositif! Mais il faut vraiment que tu m'apprennes. Ah, c'est très compliqué. D'accord, je comprends. Alors, je remonte les longs escaliers. Ça va nous faire les jambes, hein, force! Bien sûr. Force de remonter, redescendre sans arrêt. Je pense qu'on devrait plutôt descendre les affaires au bout d'un moment, parce que sinon on ne va jamais s'en sortir. Toi, que je te disais que quand on sera bien installé en bas ou qu'on aura trouvé une grotte, on pourra se réinstaller tous les ustensiles pour pouvoir crafter et faire des choses. Ce n'est pas faux. Alors, ça cuit toujours. Je pars pour refaire de nouvelles pioches. C'est déjà la nuit, j'entends les monstres dehors, c'est sympathique. Plutôt sympathique. Alors, je vais poser la pierre, les innombrables pierres qui tiennent tous dans ce coffre, Je t'ai je ne sais par posé ce qu'il quelle fallait. Oui, toutes magie. les pierres, oui. Hop, parfait. Je vais prendre les lingots avec nous, comme ça on pourra faire. On pourra mourir avec. Pardon. C'est charmant, c'est très charmant. On pourra mourir avec, voilà. Bah, si tu les prends avec nous et que on meurt avec, eh bien, On meurt avec. on meurt avec. C'est la tristesse. J'ai pris un Alors. coffre. Est-ce que tu pourrais construire un ou deux fours, comme ça, quand on s'installera tout en bas, on Bien mettra un sûr. four aussi. Non, mais j'ai pris Bien les sûr, lingots bien pour sûr. qu'on puisse refaire des pioches en fer quand on sera tout en bas, justement, pour éviter de remonter. Je comprends, je comprends. Je Alors, voilà. comprends, j'entends. Je comprends parfaitement. Alors, j'en fais deux, ça suffit? Oui, ça suffira de four. Moi, j'ai fait deux petits coffres. Et puis, on se Allez, fera un outil de craft qu'on peut faire en bas. Et puis, on est c'est reparti. parti! On est reparti! Alors, on va à droite ou à gauche, au choix. Moi à droite, j'avais un petit peu. Il y avait deux trois trucs qu'on pouvait miner déjà avec les pioches en fer, donc. Moi aussi. J'avais de l'hearthstone aussi. De l'hearthstone. Cette espèce de pierre rouge. Ouais. J'avais une sœur qui collectionnait les pierres. D'accord. Ah oui, Mais tu moi, nous as fait j'avais des. plutôt lu Ah oui, t'as dans un livre que tourné et c'est. tout. Ah oui, Ouais, d'accord. j'ai tourné, ouais, j'ai. Ah Voilà. oui, d'accord. Très bien, très bien. Non, mais j'avais lu dans un livre que c'est quand même de la redstone, apparemment, parce que c'est rouge. Ah. L'hearthstone, il paraît que c'est une pierre Ah. jadis. Il y avait stone Voilà. dedans, mais après, c'est vrai que je m'y connais Voilà, pas très d'accord. bien. Voilà. Voilà. Voilà, Mais avec c'était. stone dedans, c'est bon, c'est que ça doit être ça, je te fais confiance. On dirait des petites fraises. Des petites fraises. Tout à fait. Parfait. Attends, je me Ah, suis coincée je suis dans tombée, moi aussi. ce. Aidez-moi. Voilà. Alors. Du coup, je sais pas par où faut partir. J'entendais des monstres quelque part. Donc. Ah, il n'y a plus de torche. Bah, plus lumière. Eh bien, par où part-on? Tu décides. Je te laisse décider. Pas très Alors, haut pour plafond l'instant, je ici. mine. D'accord. Je te regarde miner et après on décide. Parce que ici, c'est vrai qu'il y a pas mal de fer. Donc autant en profiter avant de rentrer. Alors, est-ce que je pose les fours par là? Bah, je serais pour poser les fours et tout ce qui s'ensuit du côté de. Dès qu'on aura trouvé une cave, une D'accord. grotte. Ok, une cave, une grotte. Une grotte, c'est parti. Je te suis. Ah bah, encore de la raison. Bah dis donc. Oui, là, c'était. Encore, et eh ben. Bon, on va aller par là. Allez, ça m'a l'air pas mal par là. Alors ici, Il y il y a de avait pas mal la. de trucs. Ouais. Ah, mais il y a de la terre. Moi, quand il y a de la Oh, la terre, flemme. Ouais, Ah quand ouais. il y a de la terre, je tourne. T'es passé par où? Je ne te vois plus. Moi, je Là. rebouche, moi. Ah non, tu coupes là? D'accord, bon. On coupe là? On Bah, coupe je là. sais pas, je sais Ah pas. bah. Je te suis, mais moi, de mon côté, il n'y Décidément. avait pas de terre, hein, donc. Bon bah écoute, on va aller de ton côté parce que là il y a que ça. J'ai l'impression qu'il y a que ça, Bon, c'est très bien, bien très bien. mais. Voilà, c'est Allez. parti. Allons explorer de l'autre côté. Mais déjà, nous avons un bel endroit ici. On pourra presque faire une maison secondaire dans les sous-sols de la mine. Une maison secondaire, effectivement. On va finir par avoir cinq maisons. Ah, ici Extraordinaire. aussi, C'est il y a pour du avoir monde. des invités. Tout à fait. Alors, les invités, vous dormez 11 ou 12 couches plus tard. Vous dormez au sous-sol dans la cave. Il n'y a pas de souci. Hop, voilà, ça c'est pris. Je vais pas m'en sortir. Parce que moi, j'aime pas laisser des trous comme ça, j'ai besoin de les reboucher. Donc Oui, voilà. je suis pareil.
Je comprends parfaitement. J'aime bien que ce soit quand même un minimum clean. Un minimum ordonné, voilà. Voilà, étant donné qu'on va continuer à aller par ces murs, à miner, etc., autant que ce soit clean. Alors, je pense que les monstres sont sur la gauche. J'entends sur des chauves-souris. Donc, je serais pour aller sur la gauche, essayer de trouver cette caverne. Alors, qui est peut-être à la couche juste en dessous, la couche juste au-dessus, il faut fouiller un petit peu. Mais je les entends, donc je pense qu'ils sont vraiment pas loin, là. Allons-y. Il faut qu'on les trouve, là. On les trouvera. On les trouvera, effectivement, je les entends. Je les vois pas. Ils sont pas loin. Les grottes, en vrai, c'est dur à trouver. Je les entends. On va les trouver. On va les trouver. Et là, ils vont nous pop en plein dessus. Ça va être sympathique. Bah, j'ai un peu peur, en fait, de tomber sur de la lave ou de tomber sur voilà, quelque chose que j'ai pas forcément envie de trouver tout de suite. Mais malheureusement, il est possible. Alors, s'il y a de la lave, on va courir très très loin. J'entends des petites chauves-souris, donc je sais qu'il y a une cavité dans les parages. Une cavité. On va la trouver, c'est pas possible. Bah, je sais pas. Je commence à douter, là. De mes capacités à trouver une caverne. Bah écoute, y a pas beaucoup de gens qui ont de bonnes capacités à trouver une caverne. Après tout. Bah, ça m'est déjà arrivé dans un de mes rêves de trouver des cabanes. Très très des cabanes. Des cabanes. Des grottes. Ah, oh, j'y pas arrive mal, plus. J'y arrive plus. Alors, je pense que je c'est parce que t'as pas assez dormi. Voilà. C'est l'insomnie et tout ça. C'est ça. Voilà. Alors écoute. Eh ben, ils sont pas les choses ici. Je crois que je suis allée trop loin. Bah, je les entends encore là, mais. Tu les entends encore? J'entends une chauve-souris. Et j'entends un squelette. Sérieux? J'entends rien du tout. Oh, j'ai de l'or! De l'or! De l'or! J'adore! De l'or. Magnifique. De l'or, ça. Ah oui, et puis il n'y en a pas qu'un peu, là. Oh, beaucoup d'or. Beaucoup d'or. Alors ça peut peut-être intéresser les villageois. Même si on n'a pas encore de diamants. C'est vrai que l'or, c'est quand même... Voilà, c'est quand même de l'or. C'est pas rien, ça doit valoir quand même une petite fortune. Bien sûr. Donc si on pouvait leur en donner un peu, j'entends encore quelque chose. Marchande. J'entends des... Attends, je n'entends rien. Serais-je devenue à moitié sourde? C'est possible. Ça doit être le toki-woki dans l'oreille. Ça doit être ça. J'ai l'impression que je me rapproche. Ah. Rapprochons-nous. Je me rapproche encore. Oui, c'est par là. Je c'est le sais. Là j'entends. Ah, d'accord. Mon oreille ne me trompe pas. Il est au-dessus, il est en dessous, j'entends de l'eau. Ah, de l'eau. T'es sûr que c'est de l'eau? Un diamant. Un diamant? Oui. Non, c'est vrai. Et déjà. C'est vrai, déjà. Ça y est, je suis tombée sur la caverne au diamant. Oh. 1, 2, 3, 4. Ah, effectivement, je les entends. Oui, bah oui, ils sont là. Ils sont au-dessus? Ah, je pense sont que juste... c'est au-dessus. Ouais, ils sont juste au-dessus. Ouais. Ouais, alors, évite qu'ils te tombent dessus, ce serait plutôt sympathique. Ça doit être encore au-dessus. Oh là là, c'est terrible. Ah, effectivement. Je les sens tellement proches, là. Ouais. J'entends de l'eau. Ah, j'ai cassé ma pioche. On a du fer ici aussi. Oh là là, je sais ils pas où juste ils sont. Juste là, quoi. Ils sont tellement près, mais en même temps, pas si près que ça. C'est ça. On les entend à travers 3 ou 4 blocs quand même, hein. Ils ont l'air d'être par là quand même. Ah mais là oui, on est très très proche, mais... Je sais pas, je sais pas. J'ai envie de les trouver. Attends. C'est la première fois que j'ai envie Attends, de les trouver. Attends, il y a de l'eau qui coule. Oui, il y a de l'eau, oui. Oui, oui. Ah oui, il y a de l'eau. Coule de là-haut. Alors je sais pas si c'est là-haut, si c'est en dessous. Mais là, on est vraiment très proche de quelque chose, mais on les... Mais on le trouve pas. C'est ça. Allez. Je suis sûre d'avoir vu de l'eau couler en vrai. Je suis pas débile. Bah, je sais pas. J'entends l'eau. Je sais pas, Marie. Donc, si j'ai vu de l'eau couler. Alors, c'était au-dessus. Oui, j'ai vu une goutte couler là, juste là. Là. Là, oui, regarde là. C'est bon, c'est au-dessus. Ok. Ok. Ok, il faut qu'on se fasse un escalier parce que si on fait un trou et qu'on se fait inonder, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Ok, alors. C'est bon, moi on a trouvé. Attends, je te laisse faire l'escalier. On va pas le faire les deux en même temps parce qu'on va pas alors, regarde si c'est pas beau. Oh, extraordinaire. Grand luxe. Par contre, tu m'as bloqué. Désolée. Hop. Superbe. Alors, je vais mettre un peu de lumière. Est-ce que tu t'en sors? Je sais pas trop. J'ai des doutes. J'ai des doutes sur où aller. Mais au moins, on sait où est l'eau. Elle est là-bas. Très bien, très bien. Je continue mon petit escalier. Il faut que j'explore. T'arrives à peu près au niveau de l'eau, là. J'ai pas l'impression qu'elle soit là non plus.
Ah, c'est sûr qu'il y a le sol. Je monte. Attention. Toujours pas. Attends, peut-être pas s'enfermer parce que ce serait une très mauvaise idée. Oui, il vaut mieux que tu montes en même temps que moi. Non. Mieux vaut. C'est ici. Oh, c'est là. Magnifique. On a trouvé. C'est magnifique. On arrive à un endroit parfait. On a trouvé. Superbe. Alors, je propose. Donc, il y a bien une grotte. Et il y a des chauves-souris. Et est-ce qu'il y a bien un zombie? Oh mon dieu, il y a bien un squelette. Il y a bien un squelette. Oh, il m'a fait peur. On va se calmer tout de suite, monsieur le squelette là. Alors attends, il y a bien un zombie aussi, il y a bien un zombie aussi. Alors attends, meurs. J'ai dit meurs. Il veut pas mourir, il est trop fort. Ok, c'est bon. Et il y a encore un squelette qui se trouve. Je l'ai tué. C'est bon. Oh, parfait, superbe. Magnifique. Donc c'est là alors, où les escaliers vont nous guider. Effectivement. Parce que voilà, au moins on sait qu'on est passé par là, que c'est un passage exploré, et évidemment avec quelques torches pour voir où nous allons. Oh mon dieu, un creeper! Oui, non, là c'était un. Oh mon dieu, un creeper, tu as appris leur nom! Oui. As-tu lu un livre pendant mon sommeil? Attention! Ah oh mon dieu. Ils sont partout en fait. Ils sont souterrains, ils sont. J'ai entendu un villageois le dire pendant ton sommeil. Ah, c'est pour ça. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ceci? Je ne sais pas, je trouve ce nom très étrange. Hop! Est-ce qu'il y a des choses par là? Je n'aime pas m'aventurer dans les caves toute seule. Oh, il y a encore de l'or! J'arrive. Encore de l'or! Je suis en train de maîtriser la source. Maîtriser la source, d'accord. Tout à fait. Alors, je ne sais par pas là, de quel côté tu es allé parce que je vois des torches des deux côtés. De derrière toi. Mais il y a un petit peu d'or, mais c'est un cul-de-sac. Je vais essayer d'aller de l'autre côté aussi. Ah oui, là en effet, il y a un cul-de-sac, d'accord. Ceci donc, tu es passé derrière la source. Non, c'est dans le cul-de-sac qu'il y a alors. D'accord, okay, moi je suis passée derrière la source. Oh non, un autre squelette. Non. Meurs. Ça va aller? Ben, il met du temps à mourir quand même, il est un petit peu résistant. C'est pas grave, je vais manger un coup et ça ira mieux. Ça va toujours mieux quand on mange. Alors j'ai l'impression que tu es partie très très loin. Ah oui? Je ne sais pas où es-tu, Marie. Ben, je suis partie de l'autre côté. Ici il y a de l'or aussi. Ici il y a de l'or aussi. Voilà, bah, ok, les trois chemins mènent à un cul-de-sac. Les trois chemins mènent à l'or. Il y a de l'or partout. Hop. Bon, alors, je te cherche. D'accord, tu maîtrises la source comme ceci. Oui. Ok, je suis là. Alors, on va choisir un côté? Ouais, je te laisse choisir. Bon, on va aller de ton côté. Hein. C'était pas celui. En fait, je suis allée des trois côtés, moi. Ah d'accord, bon bah... Celui-là, c'est celui qui va le moins profond. Bon bah, autant aller à un qui va peut-être un peu plus loin. Alors, où sommes-nous? Nous sommes à... mes instincts. Mes instincts me disent que nous sommes à 16 blocs. Et donc, les diamants, bien entendu, c'est... C'est à 11 ou à 10 blocs donc, qu'ils sont là. Que, oui. Donc il faut descendre un petit peu. J'en profite pour récupérer un peu de fer. Alors à combien je suis? Je suis à 4 diamants. Il nous en faut encore 6. Donc au moins on sait qu'il y a du diamant dans ce monde. Voilà. Voilà. J'entends une araignée. J'entends un truc. Ouais. Il se lèche un peu les babines. Alors j'ai pas envie d'être son 4 heures. J'entends un zombie aussi par là. Je crois qu'il y a des trucs par là. Décidément. Tant qu'à faire, autant rester dans les grottes. Hein. Oui. Où sont-ils? Ils sont par là. Hein. Ouais. Là, ils sont par là. Ils ne sont pas loin. Ils nous attendent. On va se faire manger. Pour l'instant, on s'en sort plutôt bien. Oui, moi je trouve qu'on s'en sort bien. On s'en sort bien, on a du fer, on a déjà trouvé des diamants, ce que pour une première exploration était quand même assez extraordinaire. Effectivement, je ne m'y attendais absolument pas. Moi non plus. Je me suis dit qu'il fallait qu'on passe des jours et des jours dans cette grotte et finalement, on a déjà rempli presque la moitié de notre capital pour pouvoir être accepté dans le village. Je ne les vois pas, hein, ces derniers. Et ça fait faire comme tout à l'heure, hein. On va les chercher pendant très très longtemps. Ouais, ils doivent ouais. être dans une autre grotte. C'est ça. Pourtant, on les entend, donc ils sont pas loin. J'ai l'impression que c'est par ici. Est-ce que ce sera pas encore juste au-dessus comme la dernière fois? C'est possible. C'est possible. Si d'un coup on les entend moins, c'est que c'est au-dessus. J'ai l'impression de les entendre au-dessus de moi. Ouais, j'ai comme cette impression. Oula. Je vois plus rien. Ah non, c'est bon. Je me suis dit, ça y est, je vais tomber dans un trou, mais non. Ah c'est juste que je vois plus rien. Il y a beaucoup de pierres par terre, je commence à ne plus pouvoir les ramasser tellement j'en ai. Tout va bien. Puis ça pèse lourd aussi, mine de rien, tous ces cailloux. Hein. Ah bah, ça commence à faire beaucoup de cailloux hein, quand même. Ça pèse lourd. Hop.
Ah, si je creuse avec un bloc de terre, c'est un petit peu plus compliqué. Trouver de nouveau de l'or. De l'or! Moi, j'ai rien. Hein. Alors, est-ce qu'il faut aller au-dessus? Est-ce qu'il faut aller en dessous? Je pense que je vais faire un petit coffre ici pour pouvoir ranger toutes ces pierres. En trop. Nous avons c'est pas vrai. Besoin pour l'instant. Je vais poser le coffre que j'avais préalablement fait. Comme ça. Hop! C'est une bonne idée. C'est ce qu'on appelle un coffre pose-caillou. Un coffre de cailloux. C'est ça. Hop! Ça va mieux. Ah, ça va mieux, je me sens tout de suite plus légère. Je comprends. Après avoir posé environ 300 blocs de pierre dans ce coffre. Environ! Je me sens plus légère. Alors. Alors moi j'ai absolument rien de mon côté, donc je vais rebrousser chemin. Moi non plus, j'ai rien non plus et ma pioche va bientôt se casser, donc je propose de poser également mes fours pour pouvoir faire cuire... Ah mais j'ai plus de charbon. Du bois peut-être. Du bois peut-être, bonne idée. J'ai plus de bois. Là ça devient un petit peu compliqué. Est-ce que j'ai des portes? J'ai des planches. Est-ce que je peux faire cuire avec des portes? Est-ce que des planches c'est possible? Oui, non. Avec les planches ça marche. Ah, bon bah ça devrait passer. On va avoir vraiment beaucoup de fer, on va être très très bien. Nous sommes en train de faire des lingots d'or, des lingots de fer. Peut-être sera-t-il judicieux... Judicieux de se faire une épée pour se battre contre les créatures malfaisantes. Ben, j'en ai toujours une, mais une vieille en, ah oui. Pierre. Parce que moi ça fait un petit moment que... Ah si j'en ai une. Ah c'est vrai que j'en ai une aussi, en pierre. C'est vrai qu'une épée ça pourrait être pas mal et puis... Et puis pourquoi pas essayer de se faire des équipements comme mon père était... Comme ton père était... Non, mon père. Ah, oh, je ne sais plus. Bref. Quel père est bûcheron? C'était ton père. Oui, ton mais père forgeron, était bûcheron. Forgeron. Ah, forgeron, c'est le mien. Il était mineur et forgeron. Attends, non, le tien était bûcheron. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mes souvenirs sont en train de partir au fur et à mesure. Heureusement, j'ai gardé son journal qui est à côté de mon lit tout là-haut. Et je pense qu'il pourra nous être utile. Pour avoir une armure et pour pouvoir se défendre au mieux contre les créatures. Ah oui, une armure, ça pourrait être une très bonne idée. Ça pourrait être une très bonne idée avec tout le fer que nous avons. Par contre, je pense que tu as utilisé les dernières planches de bois, celles qui étaient nécessaires pour nous faire un établi en bas, pour faire brûler... Je viens de sauver quelques planches. Je pense que c'est bon, j'ai sauvé juste assez de planches pour pouvoir faire un établi. Je les ai récupérées avant qu'elles brûlent. Superbe. Eh bien, écoute, tu les as ravalées. Voilà. Parfait. C'est bon. Alors, il me reste. Je savais qu'il fallait qu'on s'équipe un petit peu plus et voilà, on est parti un peu le nez au vent. Exactement. Et puis là, honnêtement, on est parti tellement loin que. Un petit peu du mal. Ah, ça va être compliqué de remonter là. Ouais. Alors, nous sommes à 26. T'es parti en bas là? Bah, du coup, je me suis dit que tant qu'à faire, autant trouver des diamants, donc autant redescendre. D'accord, bien sûr. Parce que je ne trouve pas la grotte en question, je n'arrive pas à la trouver. Et je les entends même ici, en fait. Donc je me dis qu'ils peuvent être littéralement n'importe où. Tu les entends vraiment de très très loin, en fait. Ouais. Je suis en train de nous refaire des... Ainsi qu'une épée à chacune. Très bonne initiative. Oh! C'était ma première épée. Superbe. Extraordinaire. Hop! Moi, j'essaye de redescendre. Est-ce que je suis assez basse? Non. Il ne me semble pas. Alors, il y a une pioche qui vous attend. Oui, mademoiselle, j'arrive. Malheureusement, je n'ai pas assez pour faire une autre épée. Ah. C'est pas grave, je garderai mon épée en fer. En pierre. Ah, j'ai deux charbons, nous avons peut-être une chance. Ah Il y a peut-être une chance. Il me reste deux petits morceaux de charbon. Je crois qu'avec ça, je vais pouvoir refaire fondre un peu de... Il y a peut-être un espoir. Oui. Il y a toujours un espoir. Hop, où suis-je? C'est parfait. Le dernier morceau de charbon sera notre sauveur. Voilà. Bon, je suis reparti pour creuser. Mais alors là, je ne sais absolument plus où je suis. C'est embêtant. Absolument plus. Alors là, franchement, tu me dis de retrouver la maison, je sais plus. C'est ça. Il faut repasser par la grotte là où on était allé et remonter après au niveau des escaliers, après les longs couloirs. Mais si, là, ça va encore. Ça va encore. Je pense pouvoir retrouver la maison, mais c'est vrai qu'il faudrait peut-être remonter bientôt et stocker tout ce que nous avons avant de faire vraiment de mauvaises rencontres et... Et de tout perdre. Et de tout perdre. Effectivement. Parce que là, ce serait dommage de perdre les 4 diamants, on s'est quand même rapproché du but. Ah bah on s'est plus que rapproché du but, là, on l'a vu. Là, il est là, il est sous nos yeux. Il faut juste qu'on ait un tout petit peu plus de diamants. Et après, nous pourrons être acceptés dans le village. Voilà, j'ai fait 3 nouvelles pioches. Parfait, superbe. Eh bien moi je creuse et je creuse toujours, mais je ne trouve rien. Eh ben je t'attends, pour l'instant. On va remonter avant de se perdre totalement. D'accord,
Je mets une torche pour dire que j'ai fini mon chemin et je reviens. Ah, j'ai creusé pendant longtemps en fait. J'avais pas vu que mon couloir était aussi grand. Revenez dans la civilisation, Marie. J'arrive. J'ai bien travaillé. J'arrive. Ah voilà, très bien. Alors, je vous redonne une pioche. Et suivez le guide. Je vais essayer de me repérer grâce à mes petits escaliers. Alors, les petits escaliers. Voilà. Ah oui, effectivement, les petits escaliers. C'est là qu'on suit les escaliers. Mm-hmm. Alors, une fois qu'on était ici, on redescend parce qu'on avait la source qui était à notre hauteur. Ouais. On a encore les petits escaliers qui nous guident. On a encore les petits escaliers. Ordinaire, ces petits escaliers. Et après... Et après, c'est une grande question. Et après, c'était par là, oui, je pense que c'était par là. Alors ici, c'est un cul-de-sac, à moins que... Ah non, non, c'est à moins qu'on passe par là. Je regarde. Non, c'est bon, c'est par là. C'est par là ? Oui. Et bah. Donc ici, il faut mettre des escaliers. Hop. Ah oui, c'est par là. Ah bah disons. Mais j'ai failli pas le trouver, là. J'avais failli pas le voir non plus. Ouais. Je pense que je vais remettre des escaliers un peu sur le chemin, parce que là, j'étais plus sûre du tout de moi. Ouais. Et là, normalement, c'est la dernière ligne droite. Mais elle est longue, cette ligne droite. C'est une longue ligne droite. Alors, Marie a décidé de m'abandonner dans la mine. Elle ne m'attend pas. Ah, excuse-moi, excuse-moi. Je pensais que t'allais mettre des escaliers et que voilà, t'allais juste les poser. Les ai posés, mais bon, faut quand même le temps de poser les escaliers, le temps de remonter. C'est bon, j'arrive. C'est bon. J'ai pas trop envie de rester toute seule au fond, là. Certes. Mais c'est bon, je te regarde, nous sommes vivantes. Nous avons des diamants, nous avons survécu à cette épopée, nous n'avons pas brûlé, et c'est parfait. Et voilà. C'est parfait. Et là, je vais remettre. Je pense que pour une première aventure dans la mine, c'est vraiment. Et franchement, bien. On a eu beaucoup de chance. Voilà, il aurait pu avoir. Je m'attendais à dormir au fond de la mine, je te l'avoue. C'est vrai. Je me rends même pas compte de combien de temps est passé, mais je pense que si la nuit n'est pas là, c'est qu'elle est déjà passée en fait. Oui. Tellement. Nous avons passé toute la nuit dans cette mine, c'était impressionnant. Et oui, effectivement, c'est déjà le jour. On a passé toute la nuit dans la mine, voilà. Et bah, il va y avoir le temps de se reposer un petit peu, hein. Ah bah, merci de fermer la porte. Pardon. Faut toujours fermer les portes derrière soi. Jusqu'au bout. Alors voilà. Alors je propose d'avoir un autre coffre. Mm-hmm. Très bonne idée. Bonne initiative. Parce que là, on commence à avoir pas mal de choses. Donc je vais fabriquer un autre coffre. J'en ai déjà un sur moi, mais j'en fais un deuxième pour faire des coffres géants. Ah. Parce que c'est vrai que quand tu mets deux coffres à côté, ça fait un coffre géant. Tu n'as juste à. C'est beau. Voilà. C'est beau les coffres géants. Enfin, une grande porte, c'est tout. Hop. Et voilà. Et dans ce coffre géant, je vais mettre tous les gains, toutes les pierres que nous avons réussi à réunir. Ordinaire. Je vais en mettre aussi là. Ah, je crois que j'ai oublié le fer. J'ai oublié le fer dans le four. On a oublié le fer. Oh non. Eh bien, écoute, je propose de dormir et d'aller le chercher demain. Je suis d'accord, je crois que nous allons nous reposer parce que là c'est vraiment un long chemin. Donc, mais déjà voilà, les 4 diamants ont été sauvegardés, nous avons des lingots d'or que nous en pourrions échanger. Et cette redstone extraordinaire, cette pierre rouge qui va pouvoir nous servir à faire quelque chose aussi, on demandera aux villageois à quoi elle peut bien servir. En tout cas, Marie, je te souhaite une bonne nuit. Parce que moi aussi. Cette journée dans la mine est épuisée. Je tombe de fatigue, même si, théoriquement, voilà, on va s'allonger comme ça. S'allonger comme ça, et puis on se dit... Vous ne pouvez dormir que durant la nuit. Bah oui. Ah ouais. Ah, c'est comme ça. Et si j'ai envie de faire une sieste le jour parce que je suis fatiguée, parce que j'ai travaillé toute la nuit. Eh ben non, le lit, il veut pas. Eh ben, on dort par terre, écoute, parce que le lit... Tu vas te coucher là, hein. Et bah, c'est pas grave, je suis une rebelle. Bonne nuit. Et on dormira quand même. Voilà, bonne nuit. Et voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Marie et moi, on s'est bien amusés à la mine. J'ai raconté quelques bêtises, hein. C'est bien de la redstone, mais j'ai confondu avec le jeu, je crois. Je sais plus, enfin bon, en tout cas, c'est pas grave. On s'est bien amusé, on a réussi à récupérer des diamants, donc on va enfin pouvoir aller négocier avec les villageois. Et maintenant qu'on commence à être un petit peu armé et avoir des bons matériaux, on va pouvoir leur proposer de les protéger. Et en contrepartie, bah, peut-être qu'ils pourraient nous inviter à venir chez eux, hein, manger un de ces soirs. En tout cas, on fait des gros bisous. Mon chien est en train de squatter, il a encore volé quelque chose, il a volé mes vitamines. Voilà, merci Néo, merci d'illuminer mes jours. Et bah, il vient me faire un bisou. Bah oui. Mais oui, mon chien, tu voulais faire de la vidéo Minecraft. Bah oui. Et bah, ça y est, tu fais partie de la vidéo. N'oubliez pas de mettre une papate bleue si vous avez bien aimé et de partager. Bisous. I could stay like this, forever following you. Just don't get